Merci Nazako Senga bino nyo sobo s'abonner na télévision radio télévision Christ vous appelle bo s'abonner makasi ba émission ba témoignage banze monanga nyo sozo na poso yokango bo yokango kona eza ba témoignage belé a repesa mais on a pesi o eza ka débit do na maximum ka mafuta nzoi na monoko ba témoignage ze belo yoki po leli pe mususo komisi na ngonzambe eza ebelé. Prochaine émission Torsala, nous avons dit que 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 nous avons Nazalaka mobali ya chana na melilu na koma mobali ya malonga. Nzambe zaka pabla kumisa yo mobali ya malonga na kombo na Yesu. Sabone na television, radio, television, Christ vous appelle. Mwa, kitoko, na elengi, isangani. Nzamba pambola bino. Il y a un témoignage, il y a une chanson individuelle.
Amen.
Alors, à travailler pas en entreprise à mort mort. Mort mort, ça va entreprise à ça va flat, mini bateau va ébi. Alors, à combien qu'on va combat mon co, donc c'est comme si Bazoli n'a pas initié place mon co, on comprend le cas acte. Mais, à ce qui courage, j'ai oublié, puis ça, moi, c'est n'a rien à bisou. Donc, ça, là, il y a un peu système qui est ceux qui, à part d'être au prière ensemble, pour la famille, mais ceux qui ont dit, comme on les a dirigeants, et comme assiger à bisou sur la famille. Tout ça qui s'y gère dans la prière, jusqu'à ce que vous avez des complications, vous pouvez monter bien, vous avez des mouanda, vous avez des mouanda, vous avez des mouanda, vous avez des mouanda, vous avez des mouanda. Afin de compte, comme diable, vous avez toujours permanent pour combattre les balles en Zambie, vous avez dit non, il faut outil comme ça, là, donc vous avez un peu de temps pour des comptes dans l'Union sur le salaire dans le Sibi. Alors, vite, il y a un outil comme ça, là, à tout le monde, vous avez expliqué. Après, il y a un peu de forcer. Comme on fait la famille, on va couper beaucoup de problèmes, on va décès trop. Alors, on va que la volonté de Dieu soit faite. Mais, à l'issue, pour la balle, on a un mois sinaï. À l'occasion, on va dans l'andar. Soit on va dans l'andar, on va dans la crise d'attention. Parce que, au moment où on a la conjoncture, à Congo, on a l'école, on a l'école, on a la catholique, on a la finance, on a tout qu'on sort à l'occasion. Mais tout ce qui est toujours, nous avons, à l'épreuve de Saint-Zambé, à ses souvenirs, à temps la grande terre de la Bissou. Bien, si mon grand mère prie quand même, par rapport à moi, si moi faiblesse, c'est ça. Et moi, si j'ai des prières de la Bissou. Alors, les glorifiés, nous avons, c'était le jeudi, quand tu as béni la vidéo, tu es sur le lac à Vanzambé. Après, il y a la tuer la vie. Ah, n'est-ce pas, parce qu'il y a la vie, non? Nous avons ça, les grâces, mais c'est la vie. Oh non, va béni, à reprendre le salaire. Dieu soit loué à répondre au salam. Mais, décision de la Bissou Zaka, nous avons la Bissou grâce, nous avons un peu passé par-ci par-là, pour une forme, ça, les commis combat partout, ils ont sous la sécurité. Donc, il faut quitter comme ça, mais quand on dit à Congo, quand on a ça, les a facilité, il faut que nous avons en attendant. Il y a un peu de glorifié, nous avons dit, nous avons vu des comptes, mais peut-être que nous avons fait des stabilités, pour la façon occupée, c'est ma première témoignage. Deuxième témoignage, c'est que bien. Amen. Je suis un témoignage, bref, pour faire un témoignage, il y a un jour. Même si on a ça, gauche, et puis ça m'a dit, ok, nous avons ça à la droite. Nous avons un peu mon droit, ceux qui ont soukaté dans mon objectif, toujours force. Dans mon place, pas ceux qui sont amen. Dans la salle d'examen, continue à santé. Dans la contrôle, pour moi, c'est ça. Dans la première, les états, dans la salle pasteur, je suis. La vie pasteur, je n'ai pas compris. Dans la salle d'examen, il y a un trompe d'abord ouvert et tout au sort. Mais, l'examen, dans tout ça, là, si on va vivre dans une salle. Dépistement, niqué, mais bon, aussi ma moté. Bon, on va le 4 cm, mais la papier, tellement la curieuse, dans la chaque fois, on a outil comme ça, l'analyse moi santé, si on a vu pas comment enveloppe, tu es direct dans la Google, dans la conclusion, on va en gros, tellement la commis, et si la chimie. Donc, voilà qu'il n'est pas médecin, on a déjà une idée, il y a définition, on va commis, et puis la compte dans la Google, dans la YouTube, dans la image, et le quoi là. La compte qui n'a pas la qui met. Dans le papier, moi, dans mon neuromédecin, il y a 4 cm à la vibrante. Dans le papier, il y a 13 cm. C'est aux confusions. Je vais écrire les uns différents. Dans l'Alexis Pasteur, Pasteur a dit mange et tout. Oh, l'essentiel, bon, faire, on a dit, mais le reste, tout est possible à Dieu. Dans le carré, je vais Pasteur, je suis à FCM. Dans un rendez-vous, je suis dans la salle, je suis dans l'analyse, il y a un stéréographe, il y a un trompe, tout qu'on sort.
Là, c'est pas médecin à commis. Médecin, si je dis, ah, madame, mais je comprends pas. Je vois rien comme les kystes. Donc, on prend une analyse, donc, je suis à commis, kystes, mi balé, amiqué, mais là, un spécialiste, là, plus de 15 ans au salon. Je vois rien du tout. Pourquoi pas commis le bruit? Je vois rien du tout. Pesnara a conseillé à l'obi, tu vois, nous sommes des humains, l'erreur peut se faire. Il faut être sûr de toi-même et de Dieu. Tu peux dire à lui oui, à lui, tu mais il faut plus avoir conscience dans tout résultat au bapé sa place. Mais à lui, on confesse, quand il y a une possession, à lui, on va mettre ça pour avoir aussi proposons ça là, je m'analyse chaque temps. N'importe quel volume, si nous avons le babouin, il est content, ok, pour côté pour commune. Soit ça va se utiliser, mais non cette fois-ci, il a un fait pour tout. Amen. La décision là, on a la canda. N'importe quel pasteur, je suis n'importe pasteur, j'en ai assez. J'en ai assez. Pourquoi? Parce que mon élu la santé dans la terre. Mais pourquoi on s'en va chercher? Oh, la lobby bon à gauche, la lobby bon à droite. N'a besoin qu'une décision, mais c'est une zambie. Première fois, on a été mabélé dans la terre ou la France, dans la porte de la chapelle. Dans un temps, mabélé, on a laissé un temps, au pic qui s'en a la bandela, maille, au comme s'en a la beaucoup. Peu importe la situation, au bout d'un an, on a vu positif ou négatif, mais ça a volonté. Mais si ça a volonté, pas toi, mon qui. En tout cas, on a mis ça la confusion. Dans le moment où on a quand même prié, si on a prié, on a prié pour moi avec détermination. Dans le cas où on a dit, pasteur Josué, dans le communauté, et ça va un peu bien, ça va bien voir un couple, chaque analyse au laxa mobile. Donc, à chaque rendez-vous, on a dans laxa qui n'a pas ouvert. On a dit qu'il y a un lobby pour eux, tandis qu'il y a un monde et l'autre, il n'a ouvert vraiment. On a dit si, comme il y a pas de l'analyse au sala, à sali, à sali, à sali, tous les autres qui n'ont pas bon, c'est un exemple, comme il y a un pauvre Satan au casson. Si on a dit problème, on a dit qu'on a les autres cas, on a dit qu'il y a un monde et l'autre. Mais tant que les gens vont permettre, il y a un fait pour tout. Amen. Dans ce temps-là, pas de décision de l'objet, personne ne va avoir famille. Au Tcholo, c'est bon, l'objet, personne ne va avoir. Mais c'est une balle dans la vie, sans qu'il n'a pas besoin de force en l'objet. Je dirais que nous sommes là dans la vie. Le reste, ma bouche, les peu importe parole là-bas. Tant que la salle d'examen, on a tout, mais tiens, on a tant qu'on a fait, c'était la paix, c'est dans l'analyse. Il y a beaucoup de collègues, ça n'a pas parole, mon corps. Ma parole bénie. Avant que vous pensiez, madame, tu vois, quand même, examen dans la salle à caillot, pour qu'il y ait une justice, parce qu'elle aime ça quand même, pasteur. Dans ma cambo, comme il a engagé, je vais tout témoigner, vous dites qu'il y a vraiment pour la balle en Zambie. Parce que quand il y a une justice, il y a d'autres médecins, la salle à la ma cambo, même avocat, pas le bel abissou. Comme vous avez un parcours, il y a ma cambo, gardez prévu, vous pouvez si on a un bal là. Bah, conseil au bain avant qu'il y ait la justice. Parce que si on a la justice, normalement, il faut mettre le manger au monde. Et là, bah, ça là. Bah, rendez-vous autre qui est dans ton conseil, il faut prier. Parce qu'il y a d'autres médecins. Bah, on a un carnaïo, place, il ne fallait pas un carnaïo. Donc, nous avons un bon. La salle qui est examinée à la semaine passée, tout a été fort. Tant que bah, bah, on est déjà très, très, très bien. Et satisfait aussi, il y a un pasteur, c'est mes crédits dans mes bras. Cette fois-ci, on a un bon. Pour la santé, pour la santé, la santé, la force à continuer. C'est pour cela d'ailleurs que ça prend le Satan sur nous. La série, merci, la santé et la présence. Amen. 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 Là, nous devons être très hésités, nous devons quand même aller déjà. Amen. Bon, moi, tant que nous devons aller les 13, tant que nous devons aussi les 5. Nous devons témoigner. Ah, la évité, ma témoignage est béni. Amen. Tout béni, ma mémé, ta ma journée, ta tout béni, ma mémé, ta ma. Dans la Suisse, il faut que je suis en Suisse.
Pour l'œuvre que tu as rompue, où personne ne pouvait le faire à ta place.
Merci pour les sangs qui a été coulé. Merci pour la résurrection des vies. Aussi, merci pour les sangs d'esprit. Nous avons encore une fois de plus, Seigneur, écouter ta parole. Papa, la seule chose qui nous garantit de ton royaume, c'est ta parole que tu nous envoies. Parle-nous, Seigneur. Remplis-nous de ta capacité. Cher Saint-Esprit, et sers-toi de nous. Passe par moi afin que ta parole soit annoncée. Passe par moi afin que je sois le canal par lequel tu voulais bénir ton Père. Seigneur, moi aussi j'en ai besoin. Parle-moi aussi. Dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié, avec notre action de grâce. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir dans le nom de Jésus. Que Dieu soit loué pour cet après-midi. Merci pour la présence de tout et chacun. Merci pour naboye et motonios. Je sais que Dieu a un plan merveilleux pour nous. Cet après-midi, nous voulons partager la parole de Dieu. L'après-midi, les lotonios nous ont partagé le banal. Mais avant tout, nous vous annonçons déjà la bonne nouvelle. Que nous sommes déjà dans cette semaine de Pâques. Les semaines où nous allons passer dans des moments intenses. Des moments de fortes prières. Alors ne manquez pas. Ça va débuter mercredi. Et ce mercredi là. Et mercredi voilà. Ça sera une journée formidable. Allez déjà se préparer. Comment déjà manger aujourd'hui? Jusqu'à mardi, parce que bientôt nous allons mettre fin. Si mardi, je suis infiniment reconnaissant à notre Dieu. Merci. Qui nous a donné des souffles de vie. Infiniment reconnaissant à mon Père. Merci, Papa. Prends toujours les choses spirituelles. Et c'est à lui que je passe. Toujours reconnaissant avec tous les fidèles. Aussi au comité qui travaille avec Papa. Cet après-midi, mon thème est intitulé Thème comme suit. Ndenge nazali. Qui est contre ta vie? Naniaza contre Vinayo. Et qui contrôle ta vie? Et puis Nania contrôle la ka bomoinayo. Déjà, nous avons comme thème principal de notre période de toujours passer dans un marathon. Notre thème principal de la période de marathon. C'est bénis-moi d'abord. Pambeza pambolangaïnan. Dans tout ce que tu peux faire, pour l'instant, ce qui m'intéresse, bénis-moi d'abord. Bien révélé. Un terme bien. Si tu vas me tuer, bénis-moi d'abord. C'est vraiment un terme formidable. Alors, ce marathon sera inauguré par notre papa. Marathon, je bénis le Seigneur parce que. Je bénis le Seigneur parce qu'il nous donnera l'envol par laquelle nous allons. Déjà avec le thème, déjà, ça dit beaucoup de choses. Ce thème déjà dit beaucoup de choses. Alors, aujourd'hui, Lélo, je voulais juste Kosopamaï Namukala. Je voulais seulement arroser un peu le champ. Afin que lorsque papa va mettre la semence sur la terre. Afin que quand mon papa cotia la semence. Cette semence puisse produire encore des fruits. Pour que l'onana est bota bambouma. Amen. Amen. Alors, rapidement, nous allons lire dans le livre de Luc. Luc chapitre 8. Rapidement, tu entends dans mon canal Luc chapitre 8. Luc 8, 26. Luc 8, verset 26. Si quelqu'un. Je trouve Luc 8, 26. Luc 8, verset 26. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint en devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison mais dans les sépulcres.
Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On les gardait liés de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts. Je continue. Jusqu'à... Continue jusqu'à 30, 36. D'accord. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?» Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là dans la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ceux qui le faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils virent auprès de Jésus et... Il ne fait pas de sa propre volonté. Et ça n'a pas ça a été. Mais plutôt, les démons sont venus pour les posséder. Mais ma démon n'est pas eu qu'à Kokota Katina. Amen. Amen. Alors, pendant que Jésus avait rencontré cet homme, pendant que Yesu a coupé la kina moi mon bali oyo, les démons maintenant commencent à demander à Jésus. Nous te supplions, maître. Ne nous chassez pas loin du pays. Mais envoie-nous même. Dans ces troupeaux. Bien-aimés. Quand Jésus a chassé ces démons. Avant même de. Le chasser, avant même la première des choses Jésus avait demandé à ces démons, quel est ton nom? Et les démons ont répondu, nous sommes légion. C'est-à-dire multitude de démons qu'on ne peut même pas compter. Dans la vie d'une personne, mais il y a plusieurs démons qui sont venus. Parfois on remarque que la personne est devenue très colérique. La personne a changé sa façon de répondre aux gens. Le démon a répondu. Dans ce troupeau de porcs. Et Jésus a entendu même les prières des démons. Il les a chassés. Du coup, qu'est-ce qui est arrivé après avoir les démons soit chassés? Les démons sont allés entrer dans un groupe de pourceaux. Ces pourceaux étaient des pourceaux berger par un propriétaire. C'est-à-dire la personne avait comme richesse les troupeaux. Mais du coup, il a remarqué que ces troupeaux quittent la bergerie et sont allés se jeter dans la mer. Je suis venu dire à quelqu'un, parfois tu comprends pas comment tes affaires ont complètement changé. Comment tes enfants sont devenus. Mais il est devenu coureur de jupons. Comment ta femme était soumise? Moi, si aussi. Quelques jours après, il a changé. Après Nicolo, comment les choses marchaient bien? C'est changé. Or, lorsque Jésus chassait les démons, les propriétaires de ces pourceaux ne savaient absolument rien. Du coup,
Parce que les démons, ils ont demandé à Jésus de les laisser aller vivre. N'aime pas à mourir. Parce qu'ils ont besoin de la vie. Parce que mais les démons les ont menés se noyer. Mais bah, démons, peut-être que tu ne sais pas. Parfois, quelque part, on chasse les démons. Parfois, il y a une personne qui est possédée des démons. Aujourd'hui, tu ne sais pas que quelque part on a chassé les démons. Parfois, on voit les gens qui laissent suicider. Pourquoi? C'est parce qu'ils sont possédés. Parce que Bazan a mis mon mabé Katia. Cet esprit-là venait quelque part. On lit mon année où tu es possédé la personne. Et puis, pourquoi je suis venu activer quelqu'un. Tu vas te moquer. Veiller sur ta vie. Il faut veiller. Tu vas veiller sur la famille. Il faut veiller sur la famille. Il faut tu ne sais pas ce qui se passe ailleurs. Tu ne sais pas les démons qu'on chasse. Les démons, Avant de venir prier, tu dois d'abord savoir quels sont les problèmes qui dérangent ta vie. Comment cette situation est toujours continuelle? Chaque année, le même problème se répète. Quand tu localises, tu auras la facilité de prier. Beaucoup de gens aujourd'hui, parfois ils chassent les démons des mariages. Au lieu de chasser les démons des finances. Les démons qui te possèdent, c'est les démons des finances. Mais toi tu viens. Tu vas savoir dans notre famille. Nous sommes partout. Il y a des problèmes qui nous lient. Si tu ne pries pas pour ça, ça va toujours arriver dans ta vie. Ça va toujours demeurer avec toi. Ne faut pas chasser les démons que tu ne connais pas. C'est comme si tu viens toquer dans ma porte. Et pourtant tu n'as pas besoin de moi. Alors mais quand tu toques, parce que c'est ma porte, qu'est-ce que je dois faire? Je cherche à savoir c'est qui. Tu dois te poser des questions. Il faut m'y tourner. Pourquoi si je m'engage avec une personne, il y aura toujours des problèmes et après il va partir. Et vous avez toujours un problème que vous devez chercher. Il faut le voir. Amen.
Amen. Pourquoi si je cherche un emploi, bon, et que je trouve cet emploi, et la, mon, ça ne va pas durer, et qu'on vous met on va me licencier. C'est quoi? Peut-être dans votre famille, peut-être que la famille on vous a dit que personne ne va gagner la vie. Même si vous êtes dans votre famille, et vous êtes dans quatre familles, et vous êtes dans l'Europe, c'est pour que l'année me concerne pas. Après, moi, je suis dans l'Europe, mais depuis que tu es en Europe, depuis que tu es en Europe, et là, comment on t'étambule? Tu dois localiser le problème. Il faut oyeba, problème bien sûr. Tu dois savoir ce qui te dérange. Il faut oyeba, nini, ce qui dérange même tes enfants. Mais pourquoi tu remarques que ton mari a changé? Mais il ne faut jamais prendre directement de fortes décisions. Je veux me séparer avec lui. C'est fini. Il n'était pas comme ça. Il est hypocrite. Il cache ses comportements. Peut-être que s'il est innocent. Parfois, il n'est pas innocent. Quelque part, on chasse les démons. Et c'est quand même un démon qui sont venus les posséder. C'est pour ça qu'il était innocent. Il ne savait pas que quelque part, on chassait les démons. Les démons sont venus posséder. Et après, ils sont partis. Et ils se sont noyés. Et puis, il est comme un démon qui est venu. Les propriétaires ou les bergers ont perdu leur richesse. Parce que les démons étaient venus posséder. Parce que les démons c'est tout pour. Bien aimé, parfois tu gagnes l'argent. Bien aimé, parfois si tu gagnes l'argent. Mais parfois tu te poses aussi des questions. Bah vous mettez dans la question. D'où est parti cet argent? Depuis que je suis en Europe, depuis je travaille chaque mois, je donne mon salaire, mais je ne fais absolument rien. Mais dans ça, la que l'eau pour mon côté. Peut-être que ton argent est déjà possédé. Peut-être que mon argent est déjà dans le million. D'autres personnes qui sont venues après toi. Parfois ils t'aiment que tes miens. Parfois ils t'aiment que tes miens. Mais ce qu'on t'a dit, il y a un avancement. On dirait bango, mais toi, rien ne marche. Mais il y a le mot côté de ton côté. Mais parce que ça, mais tu banalises tout. Au monde, on a un mot qui est bien aimé. Un enfant de Dieu. Quand il y a ça, ne va pas. Quand vous avez le mot côté de ton côté. C'était. Il pose la question. Et puis, yes. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi yes. Ça? Amen. Yes. Et par là, et le Saint-Esprit, mon lui, mon sang, a boya, il faut être très sensible. Les semaines dernières, ma semaine où tu connais ça, on avait parlé des songes. Tu le mets là qui va donner ma vision. Parfois, quand tu arrives dans des telles situations, le Seigneur peut te parler par des songes. Alors, il ne faut pas négliger les choses. Alors, il faut négliger à Kabandoté. Amen. 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 Il faut toujours se poser des questions. Il faut que nous nous sommes tous. Pourquoi je suis devenu comme ça? Pourquoi? Il y a des gens qui parfois ressentent l'esprit là qui le dit. Tu sais les personnes. Bon, vous croyez que les personnes là où qui tuent le gens mais lui-même se met cette esprit. Avant de le faire ça, il doit avant ça, à un moment donné de le faire. Et moment il va sentir que avant ça, en soi, c'était pas moi. En fait, parce qu'il est possédé. Parce que Azalaki n'a pas de possède. Parfois, tu commenceras à voir des choses normales. Parfois, comme on a ma ok, les personnes qui sont à côté de toi, qui te voient. On voit que non, cet homme a changé. Cet homme n'était pas comme ça. Moto Azalaki a changé. A changé. Amen. C'est pourquoi il faut demander aux gens. Il y a un faux au tout. Comment vous me voyez? Même Jésus l'a fait. Même Yesu a salé. Il est allé demander à ses disciples. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Il veut vraiment savoir ce que les gens disent de moi. Et qu'est-ce que ça va si les gens disent que tu es orgueilleux? Tu es orgueilleux. Toi, si on te dit, pourquoi tu es comme ça? Écoute,
Tu as pris le bouton avec cet homme. Je veux plus le pécher. Regarde la façon dont tu parles. Il faut que les gens te disent ce que tu es. Parce que tu commences à dire. Voilà donc pour tout cela. Je suis comme ça. Il faut la changer. Amen. Si les personnes ne te disent pas le mal que tu as, ça devient un danger pour toi. À un moment donné, tu peux croire que tu es dans une bonne direction. Quand petit à petit, tu t'adresses déjà dans un chemin qui va t'amener à la ruine. Bien aimé. Mon ami, le Seigneur veut te sauver. Mais tu dois d'abord localiser ta situation. Il y avait d'autres personnes même dans la Bible. Jésus avait même toute autorité ou toute puissance de les guérir. Mais la première chose, Jésus demandait, que veux-tu que je te fasse? Jésus est omniscient. Yes, ou alors il connaît l'ignos. Mais avant de le faire, mais avant ça, il demande à la personne. Il voulait savoir d'abord ce que tu veux que le Seigneur te fasse. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur te fasse? Même quand tu viens devant Dieu, même ce qu'on dit, il faut lui présenter vraiment les vrais problèmes. Il faut la kisaye ou le bapenel il cambo. Quand tu as un problème qui ne marche pas, quand on a un problème, mon cousin, tu as un problème qui lie ta vie, problème, ils ont cambo, mais tu viens simplement dire, Seigneur. On va contre mes ennemis. Non, tu dois d'abord localiser l'ennemi. Il faut oyer banane mungunga ya vina. Et par là tu vas facilement. Et voilà Dieu pour attaquer facilement. Amen. Quand ton combat est à gauche, yo, mais tu penses que ton ennemi est à droite. Mais comment ça va à droite? Mais ton ennemi va venir, va directement. Donc quand on est à gauche, à quoi on va pour attaquer? Amen. Tu dois localiser. Il faut oyer bah ici qu'un problème. Et quand tu localises maintenant ton problème, tu le présentes à Dieu. C'est alors que le Seigneur va faire quelque chose. C'est ce qui est écrit dans le livre de Joël. Il y a un livre de Joël. Joël chapitre 2 verset 25. Joël chapitre 2 verset 25. Qu'est-ce que la Bible dit? Ni la Bible le Bible dit. J'ai dit. On peut lire. Joël chapitre 2. Joël chapitre 25, 2, verset 25. Si quelqu'un le trouve, peut lire. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Amen. Le Gélec, le Asile et le Gazan. Tu peux t'arrêter, maman, merci. Quand tu localises ton vrai problème, ce qui est bien, c'est que tu présentes à Dieu. C'est avant que le Seigneur donnera tout ce que. Tes ennemis ont dévoré. À cause de c'est l'oignon sur Bangladesh, bébé, mis bien aimé. Localise ton vrai problème. Viens problème. Viens avec ce problème. Il y a un problème. C'est mercredi. Mercredi. Jeudi. Jeudi. Vendredi. Vendredi. Samedi. Samedi. Et dimanche. Et dimanche. Et tu verras si. Mais au contraire, ce qui ne fait pas le miracle. À cause ça, la bica m'a dit. Il est celui qui agit. Azanzambo à Salaka. Amen. Amen. J'encourage quelqu'un qui va passer cette semaine dans la présence de Dieu. Passer cette semaine comme ça. Par le chemin de prière. Mais Dieu en est prêt. Et tu verras ce que si Dieu ne fera pas. Amen. 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 Ce problème a duré longtemps. Parce que toi-même, tu as géré ça. Parce que tu as dit, ah bon, je veux prier, je veux prier. Or, Jésus nous montre qu'il y a aussi des types de démons. Qui ne sortent par des prières et des jeûnes. Bien aimé, je suis venu te dire que maintenant ton problème, sa solution est dans la prière et le jeûne. Ce moment que nous allons passer, c'est un moment par lequel nous devons profiter. Fais tout en sorte que tu sois là. Même si tu iras au travail, mais avant la fin de la journée, fais attention de passer ici. Tu es libre, tu ne travailles pas cette journée. La porte sera grandement ouverte à partir de 12h. À partir de 12h. Viens. Ne cherchez pas que tu trouves évangéliste Nico. Encore moins Bishop Guilain. Ou Pasteur Morena. Ou d'autres
d'autres étudiants. Viens simplement. Prends ta place. Sois ici quand tu es. Inscris-toi devant Dieu. Mais maman la présence. Inscris-toi et tu verras ce que le Seigneur va faire. Cette maladie a duré longtemps. Cette fois-ci, ça va prendre fin. Dans tout, les médecins n'ont pas trouvé la vraie maladie. Mais le Seigneur voulait localiser cette maladie. Le Seigneur voulait localiser ta situation. Le Seigneur voulait te donner la solution. Que Dieu nous bénisse abondamment. Tu dois maintenant dire à Dieu, Seigneur, je viens d'écouter ta parole. Seigneur, pendant cette semaine de marathon, je serai là. Mais Seigneur, je te demande une chose. Aide-moi à localiser mon problème. Qui est contre ma vie? Qui possède ma vie? Tenez-moi. Et sauve-moi. C'est alors que tu diras à Dieu, bénis-moi d'abord. Commence maintenant à prier pour ta situation, prier que le Seigneur puisse encore t'aider à comprendre le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous as bénis cet après-midi. Merci parce que tu veux nous délivrer, Seigneur. Merci parce que tu veux que nous soyons sauvés. Merci parce que tu es qui possède nos vies. Sauver. Seigneur, grâce à ta parole. Et nous avons compris que maintenant Dieu veut localiser notre situation. Dieu dit maintenant, Seigneur, nous montrer ce qui nous possède. Précision. Afin de localiser notre problème. Afin de localiser ce qui nous dérange. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Papa, à localiser. Afin de prier avec précision. Car tu veux nous bénir. Car tu veux nous sauver. Car tu veux, Seigneur, nous sauver. Aide-nous, Jésus. Alléluia. Yeah.
Quand j'ai terminé de parler à mon mari, parce que je vous connais tous, après je suis resté tout seul dans la voiture et je regardais maman Jeto et je commençais à me dire Seigneur Ngolo, la façon dont je vois cet enfant, la façon dont elle fonctionne à l'église, parce que maman Jeto dans la situation financière, parce que maman Jeto n'a pas une situation financière avant moi. Quand même tu peux aussi le savoir, mais la qualité de papa. Je vois tout ce qui se passe dans l'église. Les instruments, ces instruments, il y a l'argent de maman Jeto. Dans ma contribution, à ma collecte. Dans des contributions, dans des collectes. Elle bouge toujours. À bouge à part. À part d'autres choses. Mais la maman n'est vraiment. Des telles choses. Et vont rester comme ça. Non, nous resterons pas. J'ai vu bénis-moi d'abord. Amen. 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 Commence à localiser ton problème. Mais banda pour localiser ce problème. Comme dans la famille. Entre dans la famille. Demande si tu peux. Mais ce qui peut continuer à y aller. Si tu ne peux pas. Demande à Dieu. Tout n'a pas été révélé. Il y a quoi à faire? Parce que nos parents peuvent aussi. Ils te cachent beaucoup de choses qu'ils ont. Mais le cercle de ça, vous me le retrouvez. Laisse-moi te dire. Dans le livre de Joël, tu as le pasteur à Dieu. Il va te payer. Il va te payer. Mais pourquoi? Mais pour qu'il te fasse, il faut que tu travailles. Si tu ne travailles pas, on va pas te payer. Si on te paye sans travailler, c'est que c'est de l'injustice. C'est aussi un problème. Et ça fait problème. Et ça fait problème de Zokamé la bénédiction. C'est un problème. Et ça fait problème de Somo la porte. C'est un problème qui a ouvert une porte pour que tu n'aies pas de travail. La Bible dit encore, c'est fou. Il marchait dans le décapole. Décapole, c'est Nicolas qui ça. Décapole, c'est 10. Paul ou Paulis. Ou Paulis. Et ça va filer. Ce sont des villes. Donc, ma démon, ma zéka, c'est la qui était. Il faisait marcher. Il faisait marcher dans le temps. Le pasteur de la Suisse. Tu vas devenir un instrument de plaisir. Il y a un démon. Et ça n'a pas de temps. Il y a un instrument de Dieu faire marcher. J'avais prié pour la moi à Massimo. La bonne de la qui. Elle m'a dit papa. Même quand mon père a saigné à l'île, par la salle, il n'y a pas de même si un homme me demande. Du pain, j'en ai sera pas. Quand il part, il ne va plus revenir. Et ça, la maman m'a aidé. C'est arrivé à plusieurs fois. Mais aujourd'hui, elle est mariée. Officiellement. Officiellement. Maman y a maman. Amen. Il peut aussi le faire pour toi. Amen. Amen. Vie chrétienne, la vie apprécie. La vie chrétienne est une vie de prince. Pour respecter mon côté culte. Pour respecter la souffle à la meilleure quand même. Je m'arrête la vie. Je vais développer ce que Dieu m'a révélé pendant que je suis là. J'aimerais que nous puissions sceller cette parole avec ce que tu as dit. Panier à offrande. Il y a le panier d'offrande. Panier à monter. Il y a le panier du prédicateur. Si ma offrande, prends ton offrande. Priez. Prie.